Hello everyone, welcome to BGS, Bean Gaming Session number 21 with Quake 2 Ground Zero. On est au Munitions Plant. Et ça dépote. Donc Ground Zero, Second Mission Pack of Quake 2. Ah, j'ai déclenché l'alarme. Not good news for me. Toc. Ça leur fait rien, ça? Comment qu'on peut faire? Si je touche les rayons, je vais me faire... zapper. Ok, super. Un truc qui va me tirer dessus. Ah, il y a un corps de un très bon ami, un soldat qui me tire dessus. Qui est le petit saligo qui me tire dessus? Alors, qui c'est qui rigole? Tête de gondole? Bon, allez. Ah, mais il y a un lift. Ah, super. Bon, avant d'y aller, on va nettoyer la zone. Qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est les catons. Ah, mais on est déjà passé par là. Là, c'est l'accès au Gravity Well, non? C'est pas ça? Ah, c'est ça, Gravity Well, donc ça sera la dernière étape. Ok, j'ai ouvert une porte. Just open the door. Ah, bah c'est encore au point de départ, donc... ouais, j'ai pas le choix, faut vraiment que j'aille là. Ça pète pas par là, là. Bon bah y'a rien d'autre à faire. Allez. Que eux ils sucent la vie en temps normal. Et là que dalle. C'est bon. Oh il m'a eu. Ces trucs là ils sont immortels. Ah quasiment. Ils génèrent des ennemis c'est pour vous dire. C'est un mot dépôt. Allez. Ah quand même. Ça y reviendra pas à la vie. Non, mais c'est quoi ce truc là? C'est vieille grille dégueulasse. This door is locked. Ok. Il reste plus que un seul chemin à suivre les gars. Je pense qu'on est dans la dernière ligne droite pour rejoindre le Gravity Well. Thank you.
Les Icarus, c'est pas ce qu'il y a de plus balèze. Et voilà. Problème résolu. Je sens que Farcon rentre là-dedans. Ça se pète pas. Ou qui c'est qui me tire dessus? Mais c'est que la zone est très bien armée. Encore un. Ah, lui, il faut vraiment le liquider très vite. Attendre surtout. Qui me tire dessus là. Encore un petit soldat qui s'est fait rétamer. Il y a beaucoup de corps quand même qui traînent, hein. C'est triste. Je pense qu'on va ouvrir la porte qui était fermée tout à l'heure. Antimatter Core Creation Initiated. Ok. Je sais pas ce que ça veut dire, mais ok. On peut pas accéder à ce truc là. Je reviens en arrière. Oui, alors. Vous avez remarqué, bon, j'en ai déjà parlé, hein, mais j'ai eu beaucoup de bugs sonores et je sais pas d'où ça vient. Je ne comprends pas. J'ai l'impression que c'est lié à Ground Zero. Parce que les autres, j'ai pas eu trop de problèmes. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai baissé le son du jeu. Mais je ne sais pas si ça a eu un vrai effet. Ah, d'accord, donc on a un autre accès. Ah mais pourquoi je reviens là? Bon, regarde ce qu'il nous dit. Et il peut pas afficher l'objectif. Oh. Bah, je reviens en arrière parce que je sens que j'ai loupé un truc. Un dépôt, c'est un autre accès. Je pense qu'il faut que là on pouvait pas. Par quoi aller quoi. C'est ça qui est un peu relou, c'est faut toujours chercher. C'est bah, après voilà, c'est quick, hein. Faut toujours chercher son chemin, j'ai envie de dire. Mais... Ça c'est le chemin alternatif. Donc, on revient où on était. Ce truc là. Ah d'accord. Du coup, j'ai un accès. J'ai un accès. Est-ce que j'ai accès au Gravity Well? It will be awesome. J'ai vu sur cette porte. C'est bizarre quand même. C'est ce truc-là. D'accord. Ok, il faut vraiment qu'on revienne loin en arrière là. C'est pas simple, c'est pas simple, les gars. It's not easy as you think. Non, c'est pas par là, voilà, c'est par là, d'accord. Oui. Attendez. Ben non, mais attendez, j'ai une vue, j'avais vu sur un truc. J'avais vu sur un truc, c'est où? Attendez, y a un problème. J'avais vu sur un truc. C'est ça? Non, access denied. Ouais, c'est là. Pff, voilà, en fait, c'était là la porte. Il faut le savoir.
Antimatter pod. Where is the antimatter pod? Parce qu'on a vu sur ce truc. Donc forcément, il y a un truc à faire. C'est pas simple, hein? Ouais, c'est normal, hein, c'est quick. L'antimatter pod, il est où? Si je fais ça. Lower Minds, ouais. Bah non, mais je vais par où, moi, du coup? Faut que je revienne en arrière? Antimatter pod, on peut pas avoir accès, quoi. C'est trop complexe. Si vous pouvez juste. Ah, on a plus le droit de sortir par là, ok. Bah, si juste il pouvait me dire par où faut aller. C'est le truc qui manque. Hein. On a une clé qui nous permet d'avancer. Je pense que c'est l'accès qu'on a déverrouillé tout à l'heure. Donc on va revenir en arrière. Là, il n'y a rien. Non, c'est pas là. Ah voilà, c'est ça, on était passé par là, on avait fait péter le truc, on est passé par là. Oui, c'est ça, donc on va revenir. Non, non, mais il doit y avoir un truc. Sauf que je vois pas ce que c'est. Si ce truc était fermé et que maintenant il est accessible, c'est qu'il y avait une raison. Je pense. Vous pensez pas? Do you think there is a reason? L'antimatter pod, où est-ce qu'on peut récupérer ça? Oh putain, il m'a fait peur ce con. Non bah je vais être sur le bon chemin parce qu'autrement il n'y aurait pas d'ennemis. Il n'y aurait pas d'ennemis. Je sais pas du tout où je vais. Hein. L'antimatter pod. Bah ça doit être là-dedans. Mais j'ai pas accès. Ou attendez, je reviens au point de départ là. Pas possible. Bon, faut que je pense qu'il faut que je reprenne où j'étais. Le munition plant n'est pas accessible. Ouais, on va reprendre où on était. Parce que... Regardez, c'est pété. Non, mais on va retourner où on était, puis j'essaie de réfléchir. Concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire? On a activé le truc. Hop, on l'a récupéré. Donc logiquement, faut qu'on revienne en arrière. Comme on a ouvert la porte, on a débloqué une porte. La logique voudrait qu'on retourne par où on est venu. C'est quoi, c'est quoi tout, c'est des portes, des clés, etc. Hein.
Des portes qui s'ouvrent avec des clés bleues, rouges, des boutons qui ouvrent des accès, qui désactivent des champs magnétiques, etc. Mais au bout d'un moment, on y arrive. C'est tout ce que j'ai à dire. Allez, à bientôt sur BGS. Binge Gaming Session. Number 21. We're quick to ground zero. Stay tuned.